Avec Rabbi Akiva et... Ah oui, avec le schéma. Voilà, le Kriyat Shema du matin. D'accord ? Donc on va continuer. Alors, Rabbi, Amar Rabbi Eleazar ben Azaria. Rabbi Eleazar ben Azaria. Qui était donc assis à Blémrak avec eux, avec Rabbi Akiva, il a dit Areani Keven Shivim Shana. Voici que je suis aujourd'hui comme si j'avais 70 ans. Velo Zachiti, mais j'ai pas eu le mérite, j'étais Amar Yetziad Misraim Balelot. Qu'on puisse prouver qu'il faut parler de la Yetziat Misraim la nuit, ad chez Drasha Benzoma, jusqu'à ce que Benzoma, Shimon Benzoma, il s'appelait, il a fait une interprétation et il a dit, chez Nehemar, il y a un passage qui dit, le mantizko, etiom setram eretz Misraim, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti d'Égypte, kol yeme chayecha. Tous les jours de ta vie. Alors il a dit, Benzoma, il a dit, Yeme Chayecha, ça parle des jours. Yeme Chayecha, ça parle de la journée. Que dans la journée, il faut se rappeler de la santé d'Égypte. C'est pour ça qu'on dit le troisième paragraphe du Kriyat Shema qui parle de la santé d'Égypte. Kol Yeme Chayecha, le fait qu'il y ait écrit le mot kol, c'est vraiment trop. Qu'on aurait pu dire le mantiskor et yom setra meres misraim yemechayra. Pourquoi kol? C'est-à-dire kol le avi alelot, c'est pour inclure la nuit aussi. Donc c'est pour ça que la nuit, quand on fait kriyat shema, on fait encore la parasha des tzitzit pour parler encore de la santé d'Égypte. Donc on le dit le jour, on le dit la nuit. Va chachamim omrim, les chachamim eux ils interprètent différemment. Ils disent Yeme Chayecha, les jours de ta vie, ça ne parle pas seulement de dire le Kriyat Shema le matin et le soir, ça parle de parler de la sortie d'Égypte à Olam Hazeh, maintenant, dans ce monde-là. Maintenant, Kol Yeme Chayecha, pourquoi on a rajouté Kol d'après les Chachamim, les avis, l'imot Amashiach, pour inclure. Que au temps du Mashiach, on parlera encore de la sortie d'Égypte. Vous avez compris la dracha de Rabbi Elazar ben Azaria? Il te dit, je n'ai jamais réussi à trouver l'origine de cette vérité, et que c'est Benzoma qui l'avait trouvé. Parce qu'il a dit que le matin et le soir, pour parler de la sortie d'Égypte, et maintenant, pendant ce monde-là, il faut en parler. Et même quand il y aura le Mashiach, il faudra en parler aussi. Il y aura un sujet de sortie d'Égypte, même quand Mashiach sera là. Donc, pas comme on aurait pu croire, c'est une misvaf qui n'aura plus aucun sens, puisqu'on sera déjà, pas seulement sorti d'Égypte, mais sorti de la galoute. Non, il faudra s'en rappeler. C'est ce que la Chassidoute nous explique, qu'en fait, même quand Mashiach viendra, comme il dit le Ramban, on va continuer on va progresser tous les jours. Donc comme il y aura une progression tous les jours, comme c'est écrit El Khou, Mechaïl El Khaïl, donc automatiquement, la journée d'hier, ça s'appelle Mitzrayim par rapport à la journée de demain. Tu devras sortir de l'Égypte où tu étais hier. C'est-à-dire, plus tu avanceras, plus tu te rendras compte que ce que tu as fait hier, c'est pas suffisant aujourd'hui. D'accord? Quand on est en galoute, alors des fois on dit, bon, déjà si on se maintient, c'est déjà bien. D'accord? Si on ne recule pas, c'est déjà formidable. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus de problème de reculer. Donc on ne fera qu'avancer. Donc quand tu avanceras dans d'un niveau plus haut, ce sera considéré comme si tu étais sorti de l'Égypte dans laquelle tu étais hier.
ce que la Chassidoute explique, qu'il y a Mitzrayim de, des forces du mal et la Mitzrayim de la, dans la Kdusha. Le fait d'être, d'être limité dans son Avodat Hashem, même si c'est pas mal, ça s'appelle une limite. Donc tu dois faire plus. D'accord ? Maintenant, on s'interroge sur la formule de Rabbi Elazar ben Azaria, qui avait 18 ans. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes au courant que il y avait le président, le Nassi, il s'appelait Rabban Gamliel, il était très dur. Il était très dur, il maltraitait ses collègues et ses élèves. Ils ont fait la révolution, les élèves, ils l'ont dégommé. Carrément. Ils l'ont dégommé parce qu'il était très dur avec Rabbi Yoshua. Il a dit, comme à l'école, quoi, reste debout, tu mets les mains sur la tête, etc. Donc ils ont dit, oh ouais, c'est pas au Reder ici pour parler aux enfants comme ça, ou à des collègues, à tes collègues. Donc ils l'ont jeté. Ils ont fait une réunion pour le jeter. Maintenant ils ont dit, Rabban Gamliel, c'est le descendant de David Ameller, le descendant de Hillel Zaken, on ne peut pas le mettre dehors comme ça. Donc ils ont dit, qui on va mettre? Alors ils ont dit, Rabbi Akiva, on ne peut pas, c'est un guerre. Il vient de famille guerre, alors que lui, il descend de lignée royale. Rabbi Yoshua, on ne peut pas le prendre, puisqu'ils vont dire, ah, il s'est vengé. Comme il a maltraité, il a pris sa place. D'accord? Rabbi Tarfon, ils ont dit, il n'est pas aussi fort que lui, etc. Chacun, il avait un problème. Donc ils disent, le seul qui peut remplacer, c'est Rabbi Elazar ben Azaria, qui est un Cohen, qui était riche et sage. Donc il avait tous les avantages. Ils ont dit, ça ne se fait pas, parce qu'il a 18 ans. Alors prendre un jeune de 18 ans pour remplacer un adulte, ça se fait, c'est pas sérieux. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un compromis. Pour ne pas le vexer trop, ils ont décidé que ce soit une semaine, c'était lui, une semaine, c'était lui. Il se relayait à la présidence. Mmh. C'est ce qui est le deuxième, se Pardon ? Qui était le second ? Eh bien, Rabban Gamliel, ils l'ont laissé pas à plein temps, et Rabbi Elazar ben Azaria, donc une semaine comme ça, une semaine comme ça. Maintenant, Rabbi Elazar ben Azaria, comme il n'avait que 18 ans, donc, quand il est rentré à la maison, sa femme lui a dit, mais dis-moi, de quoi tu as l'air ? Tu es un genou. Donc, tu ne vas pas être pris au sérieux. Donc, on raconte que dans la nuit, il lui poussait 18 rangées de poils blancs pour qu'il ait l'air d'un vieillard. D'accord ? Maintenant, ici, il vient dire, je suis comme si j'avais 70 ans. Mais il n'avait pas 70 ans, parce qu'il avait 18 ans. Alors, on explique que, le Harizal, d'ailleurs, explique, Rabbi Elazar, c'était le Gilgoul de Shmuel Hanavi. Donc, Shmuel Hanavi, il a assemblé tout le peuple, il a enseigné la Torah à tout le monde, donc lui, c'est son Gilgoul. Donc, il devait terminer le travail de Shmuel Hanavi. Alors, Shmuel Hanavi, à cause de ce que sa mère a dit, quand Hana, elle a prié pour avoir un enfant, il avait 2 ans quand elle l'a amené à Shiloh, et elle a dit, je veux qu'il serve avec le grand prêtre Élie, qui serve Adolam. Quand elle a dit Adolam, on a dit Olam, ça veut dire 50 ans. C'est un yovel. Ça s'appelle un yovel. Donc elle a été prise au mot, et donc il n'a vécu que 52 ans. Donc il est mort très jeune. Donc il n'a pas fini son travail. Donc il a fallu qu'il revienne en Gilgoul. Et il est dans quel Gilgoul ? De Rabbi Elazar ben Azaria, qui est devenu lui-même le Nassi comme Shmuel. Donc c'est pour ça qu'il a dit 52 ans de Shmuel, les 18 ans de moi, c'est comme si j'avais 70 ans. Hein? Puisque
Le complément du travail de Shmuel a été fait par lui dès qu'il a eu 18 ans. D'accord ? Alors, ce soir, il y a eu CDR, là, ils sont tous assis ensemble, comme on l'a vu, d'accord ? Comme on l'a vu avec dans le paragraphe d'avant, qu'il y avait Rabbi Eliezer, Ben Orkinous, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer Ben Azariah, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. C'est les cinq qui dirigeaient le CDR. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont enseigné ce soir-là ? Alors, ils ont dit Baruch Amakom, Baruch ou. Béni soit Dieu, béni soit-il. Alors pourquoi ici on l'appelle Dieu ? On l'appelle Amakom. D'accord ? Béni soit l'endroit. Alors, parce qu'on dit que, dans le Midrash, on lui dit que Dieu, il est l'endroit où se trouve le monde. C'est pas que Dieu se trouve dans le monde. C'est le monde qui se trouve dans Dieu. Le monde est inclus dans Dieu, pas Dieu est inclus dans le monde. Donc on l'appelle Amakom. Ça veut dire il est partout. Et il est tout. D'accord ? Baruch Amakom, Baruch Hu. Baruch Shenatan Torah l'Amo Israël. Béni soit celui qui a donné la Torah à son peuple. Baruch Hu. Après on dit Keneged Arba'a Vanim. La Torah a parlé, Dibra Torah, la Torah a parlé par rapport à quatre enfants, quatre fils qui sont à la table du Seder, d'accord ? Alors, qui sont les quatre fils que vous connaissez tous ? Echad Chacham, il y en a un qui est appelé le Chacham, le sage. À côté de lui, il y en a un qui est appelé Echad Racha, qui est appelé un méchant. Echad Tam, un qui est appelé le comment on appelle ça, le timide, l'intègre, Tam, le simple, oui. Mais Echad Cheno Yodea Lishol, et un qui ne s'est même pas posé de questions. D'accord ? Alors évidemment, sur toutes ces agadotes là, il y a des milliers, comme il y a des milliers d'agadotes, milliers d'interprétations, il y a des milliers de gens qui ont commenté la agada. C'est le livre le plus commenté de tout le. De tout le, toute la tradition. C'est pas la Bible. Hmm? C'est pas la Bible. Le plus grand commentaire, c'est de la Gada. Il y a chaque grand en Israël, il a fait une Agada. J'avais un ami qui faisait la collection des Agadotes. Il en avait un mur entier et il disait qu'il lui en manquait une flopée. Quoi. Ouais, parce que la Agada a été écrite par les gens qu'on vient de voir là. C'est eux qui ont rédigé la Haggadah, puisqu'avant ce moment-là, au temps du deuxième temple et dans le premier temple, etc., il n'y avait pas d'Haggadah. Les gens, ils mangeaient le korban et ils racontaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de texte écrit. Comme dans le Sidour, on a écrit la Tfila, au lieu d'inventer n'importe quoi, on te dit « lis ce qu'il faut demander », comme les gens, ils ont commencé à plus savoir quoi raconter le sort du CDR, alors les Khamim, ils ont dit, tiens, on va composer une agada pour que tout le monde raconte la même chose, pour que savoir raconter quelque chose le sort du CDR. Donc là, cette histoire-là a commencé donc à la destruction du deuxième temple, puisqu'il était rassemblé à Bnei Brak quand les Romains les poursuivaient. Donc doucement, il y a eu des différentes agadotes qui ont été écrites. Après, il y a eu les agadotes des Géonim, à Babel, en France, en Tunisie, là où il y avait des Géonim, ils ont écrit des agadotes. Et après, les Rishonim, qui sont venus après, ils ont pris les textes de l'agada, ils les ont. Jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à une agada presque identique chez tout le monde. D'accord ? Donc. Sur cette phrase de nous dire qu'il y avait quatre fils,
Il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, bien évidemment. Et donc, je ne vais pas vous expliquer les 3000 explications qu'il y a là-dessus. Mais on va sélectionner, quoi. Alors, dans la chassidoute, elle y va tout de suite. Elle vous dit grammaticalement, on parle pas comme ça. Quand on dit un, on dit pas echad raham. On dit raham. Pour dire qu'il y a un raham, tu dis raham. Alors, tu n'avais qu'à dire qu'un égé dit Abba Banim dit Batora, raham, racha, tam, ménager. Pourquoi echad, 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 echad? Alors, Chassidoute, toujours dans sa vision positive, elle dit que chez chacun, il y a le Echad, ça veut dire. Le Echad. Dieu réside chez chacun. Chez le Chacham, chez le Racha, chez le simple, et même chez celui qui ne s'est pas posé de questions. Chez tout le monde, il y a l'unité de Dieu qui réside. Donc, c'est-à-dire, tout le monde est bien, quoi. Malgré une apparence manquante. D'accord ? Maintenant, on vous dit, comment ça se fait que le monsieur qui est Racha, il s'est assis à côté du Chacham ? Il aurait dû se sauver, il aurait dû se mettre à côté du Sheino Yodé Alichol. Comme ça, on ne lui casse pas les pieds, on ne lui pose pas de questions, puisqu'il ne sait pas parler avec l'autre. C'était le mieux de se mettre à côté de Sheino Yodé Alichol. Pourquoi il s'est mis à côté du Chacham ? Parce qu'il y a écrit que. Il n'y a pas écrit Echad Sadik, Echad Racha. Il y a écrit Echad Chacham, Echad Racha. Ça veut dire comme l'autre il est Chacham, mais ce n'est pas pour autant qu'il est Sadik. Donc l'autre ça ne le dérange pas d'être assis à côté de lui, au contraire il est content, il apprend beaucoup de choses, mais ça ne le change pas, parce qu'il n'a pas à faire un Sadik. Donc il va être gêné d'aller avec le Sadik, puisqu'il va être obligé de changer son caractère et faire tchouva. Avec le Chacham, ça ne mange pas de pain. Il écoute des belles explications, mais lui restera Racha. Donc au contraire, il veut. Ça m'intéresse beaucoup d'être assis à côté du Chacham. On apprend beaucoup de choses, mais on n'avance pas, on ne bouge pas. C'est pour ça qu'ils sont tous les deux à côté, parce que en fait, l'un n'a pas l'intention de changer l'autre, et l'autre, il sait très bien que il va avoir beaucoup de plaisir d'être à table avec le Chacham, mais ça ne changera rien du tout chez lui. D'accord ? Maintenant, il y a une autre explication qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. C'est celle du Harizal. D'après le Pshat ici, vous avez l'impression qu'il y a quatre niveaux de haut en bas. D'accord ? Il y a le Chacham, le Racha, le Tam, plus ça va et plus ça descend. D'après le Harizal, plus ça va et plus ça monte. Alors comment ça? Alors le Harizal, il te dit, le Chacham, c'est Abraham Avinu. Parce qu'il est sur la ligne, la même ligne que la Chokma, il y a le Chesed. Chokma et Chesed, c'est sur la même ligne. Donc, Abraham Avinu, il représente premier degré. Le deuxième, c'est le Racha, c'est Yitzhak Avinu qui a fait le tikkun de Esav. Donc lui, c'est le Racha, c'est celui qui répare le mal. Le travail de Yitzhak, de réparer le mal. Alors qu'on voit que Abraham, il n'a pas essayé de réparer Ishmael, il a essayé de faire comme il voulait. Donc Racha, c'est un sujet de positif dans ce cas-là. Réparer le Racha. Echad Tam, eh bien Tam, c'est Yaakov Avinu, puisqu'il a écrit Tav Yoshev Walim, il était intègre et assis dans les tentes. Et celui qui est chez nous, il y a des Alishol, c'est Moshe Rabbeinu, qui était dans un degré tel de connaissance qu'il n'y avait plus rien à poser, il n'y a plus de questions. Chez nous, il y a des Alishol, pas parce que ça, rien ne l'intéresse, il ne s'est pas posé la question. Et pour lui, tout est clair, il n'y a plus à s'interroger. Il voit tout clair, donc il ne pose plus de questions. Tout est pour lui évident. D'accord ?
Quand quelqu'un, il, ça va, c'est clair, vous avez tout compris? Il dit, oui, comme j'ai tout compris, j'ai pas de questions, tout va bien. Donc, c'est en vérité, d'après le Harizal, c'est de plus en plus haut. D'accord? Maintenant, on vous dit... Donc, on va faire parler ces gens-là. Puisqu'on est à la table du Seder. Il te dit, « Chacham Mahou Omer »« Chacham Mahou Omer » Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le rabbi précédent, il dit que ça aussi, c'est pas grammatical, puisqu'en hébreu, on ne dit pas comme ça, « Chacham Mahou Omer ». On dit « Chacham Mahomer », pas « Mahomer ». Le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas français, ça, le Chacham, qu'est-ce qu'il dit? C'est « Que dit le Chacham ?» Alors, on aurait dû dire « Chacham Mahomer ». Qu'est-ce qu'il dit? Pas « Mahomer ». Alors, l'ami précédent, il dit un très grand ridouche, très intéressant. Il dit « Chacham Mahou, ce qu'il est, il le dit. » Ça veut dire en vérité, quand tu parles, tu racontes toujours ta vision des choses. D'accord ? Quand tu parles. En règle générale, d'accord ? Tu dis, ah, moi, c'est dur de s'intégrer en Israël. Ah, non, non, c'est bien, c'est facile. Chacun, il va parler après sa vie, c'est tout. D'accord ? C'est rare les gens qui parlent de façon générale. Les gens, ils racontent leur vie. Donc, c'est ce qu'il te dit. Le Chacham Mahou, ce qu'il est profondément, ben, il le dit. D'après ce qu'il va dire, on va voir qui il est. Et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas ça sur les autres. Alors que sur les autres aussi, il y a écrit Chacham Mahou Omer, Ma'atam Mahou Omer. Ça veut dire qu'en fait, tu ne peux pas dire la même chose sur le rachat. Parce que le rachat, ce qu'il est, il va le dire. Il dit non, c'est pas vraiment ce qu'il est. C'est pas vraiment ce qu'il est. Quand tu lui enlèveras le rachat qui est en lui, il dira plus la même chose. Alors que le Chacham, c'est positif. C'est effectivement ce qu'il est qu'il raconte. Mais le rachat, non, c'est pas une preuve. Parce que si tu peux le. Comme c'est pas réellement ce qu'il est d'être rachat, donc tu peux pas dire rachat Mahou Omer. Ce qu'il est, il le dit. C'est superficiel. Mais quand il va changer, il va plus parler de la même façon. Et le Tam, pareil. Maintenant, par contre, chez Enoï et Dalichol, on dit Mahou Omer, on ne va pas dire Mahou Omer parce qu'il ne sait pas parler. Donc il n'y a pas de question de ce qu'il va dire. Il ne dit rien. Donc il te dit, Chacham Mahou Omer, ce que le Chacham est, ben, il va le dire. Et qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est ce qu'on verra tout de suite. Il dit le Chacham, Ma Edot, la Chukim, la Mishpatim. Qu'est-ce que c'est que ces témoignages, ces lois, comment on dit ça, incompréhensibles, la Mishpatim et ces lois logiques, la Cher Tziva, Hashem Elokeinu et Trem, que Dieu vous a obligé, que Dieu vous a donné. D'accord? Alors, on pose la question, c'est-à-dire que Dieu vous a donné. Il ne s'exclut pas il s'exclut. Il dit oui, il s'exclut parce que pour lui, le Chacham, il ne fait pas la différence entre toutes les lois de la Torah. Pour lui, tout est un ordre de Dieu, et donc il exécute sans faire la différence entre ce qui est compréhensible et ce qui ne l'est pas. C'est plus agréable de faire quelque chose qu'on comprend, que quelque chose qui est incompréhensible. Et tu dis, malgré tout, moi, je ne comprends pas votre différenciation à vous. Moi je ne vois pas les choses comme ça. Pour moi, tout est du domaine du roc. Même quelque chose qui est compréhensible, je le prends comme une loi incompréhensible. C'est ce que le Rami dit. Et toi, alors, Véa, Fata et Morlo, toi, tu dois lui dire que Ilchot a Pesach, tu dois lui dire, comme à propos des Ilchot, les lois de Pesach, En maftiri machar Pesach vikoman, qu'après
on ne mange pas de dessert maftirin. Maftir, c'est ce qu'on rajoute. En français, ça s'appelle le dessert, parce qu'on le servait quand on desservait la table. On enlevait la table pour emmener le dernier plat, donc on appelle ça un dessert. Mais en réalité, ça s'appelle le dernier plat. Pas un entremets, parce que l'entremets c'est entre deux plats, mais un terme en gastronomie. Pour dire que c'est. Comme en Israël, manach harona, le dernier plat, quoi. Dernier truc. Bekitsur, on te dit. Tu dois lui répondre, Racham, qu'on ne rajoute pas de dessert après le Pessah. Entremets, c'est entre les mets. C'est pas ça. Il mangeait un plat et après il remettait ça. C'est encore un nouveau plat. Donc il te dit, on ne rajoute pas de dessert après le Pessah, d'accord ? De Afikoman, on ne sert pas de dessert. Ça veut dire, il te dit que, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, le Pessah, c'est la raison d'être du CDR. C'est la finalité du CDR. Ça veut dire manger de la liberté, manger du divin, manger un corban qui annule l'idolâtrie et qui consacre à Dieu. Donc c'est le niveau le plus haut du service de Dieu, de manger du Pessah. Donc si maintenant tu veux manger à quelque chose après, ça veut dire que quoi, il y a une suite après ça va te toucher l'essentiel, tu peux faire quelque chose d'autre. Ça y est, tu es arrivé au bout. Il y a tout dans le Pessah, c'est fini. Si tu voulais un dessert, ça veut dire que pour toi la Avodat Hashem, elle n'est pas suffisante. Tu as besoin de faire quelque chose d'autre. Après. Donc ça marche pas comme ça. Voilà. Le service de Dieu, la Avodat Hashem, ça doit être une fin en soi. Quand quelqu'un fait une mitzvah, très souvent, quand il n'est pas comme il faut, il croit que la mitzvah, il attend une suite à la mitzvah. Alors que la mitzvah, c'est une fin en soi. D'accord ? La mitzvah, c'est un tout. Alors, très souvent, les gens, ils font une mitzvah, puis ils attendent qu'est-ce que ça va donner, cette mitzvah ? Est-ce que je vais gagner de ça ? On te dit, non, la mitzvah, c'est une chose en soi, on s'en fiche. On s'en fiche de la conséquence. La mitzvah elle-même, c'est une fin en soi. D'accord ? On n'attend pas que, du fait d'une mitzvah, il doit y avoir une suite. Non. La mitzvah, c'est une fin en soi. Comme la Torah, c'est une fin en soi. Tu as étudié un pasouk, et bien tu as étudié un pasouk, c'est tout. C'est pas pour envisager quelque chose d'après. Quand la vie continue, c'est pour faire autre chose, pas pour attendre les résultats de la mitzvah et de la Torah que tu as pratiqué. Donc, c'est ça, le Pessah, c'est la finalité. Si tu veux du dessert, c'est que tu n'as pas attrapé le Pessah. Alors c'est ce qu'on dit au Chacham. On lui dit, c'est vrai, tu as raison, que l'homme il doit voir les mitzvot comme un point où on doit se soumettre à Dieu, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Mais l'être humain, il a besoin de classer les choses, puisque la preuve c'est la Torah elle-même qui a fait cette définition d'un chok et d'un mishpat et d'un edut. La Torah elle-même, elle te dit que dans quelle catégorie ça se situe. Donc la Torah elle-même, elle te dit les choses que tu dois comprendre, ben, tu dois les comprendre. Tu ne dois pas dire c'est un roc, je ne veux pas savoir. Tu dois comprendre. Et ce que tu ne peux pas comprendre, ben, elle te dit ben, tu ne peux pas comprendre. Les deux existent. Donc toi, le raham, tu as un problème parce que tu crois que... Non, non. Moi, je ne fais plus la différence. On te dit, non. Quand tu as mangé le Pessah, quand tu es arrivé au bout, c'est vrai, quand tu es arrivé au bout,
tu dois te rendre compte qu'effectivement, il y a quand même un céder dans le monde, que quelqu'un qui ne veut pas accepter une chose, tu es obligé de lui expliquer la chose. Tu ne peux pas lui dire, alors, tu veux pas faire sans comprendre ? Tu es un idiot, tu es un rachat. Tu dois trouver une explication pour lui. Parce qu'il est au niveau d'une mishpatim. Tu ne peux pas sans arrêt lui dire non, c'est un roc. Maintenant, c'est pas un roc. La Torah elle-même, elle te dit qu'il y a des raisons aux choses. D'accord ? Comme dit le Rambam, qu'il y a des mishpatim. Dans chaque mishpat, il y a des rokim. D'accord ? Par exemple, ne faites pas voler. Si vous direz sur mishpat, c'est logique. C'est très logique de ne pas voler. Il dit non, mais dans pas voler, il y a. Combien tu voles ? C'est une prouta. Combien tu interdis de voler, même quand la personne elle s'en fiche. Donc, quelqu'un qui lui a volé 1000 shekels, il s'en fiche. C'est rien pour lui. Donc tu lui dis, bah voilà, j'ai le droit de le voler, puisque ça lui fait rien. Donc tu vois bien que même dans le mishpat qui est compréhensible, il y a des tas de trucs qui sont incompréhensibles. Tu ne dois pas voler. Même si c'est une prouta, même si la personne elle s'en fiche, même si ça n'a pas de valeur, même si tu vas rendre après, tout ce que tu veux. Donc je veux que c'est des chokim à l'intérieur du mishpat. Qu'il faut de témoins si on veut te condamner. Tout ça, c'est des chokim. Dans le mishpat, il y a des chokim. Et dans les chokim, il y a des mishpatim. C'est-à-dire que même dans les chokim qu'on te dit de faire, il y a des choses qu'on peut comprendre. Dans les lois de la vache rousse, il y a tout un processus que tu peux étudier et comprendre. D'accord ? Donc, le rarab, tu dois lui dire que c'est pas le tout de dire aux gens « Ah, vous voulez faire des catégories ? Moi, je veux pas être catégorie. » Il y a des catégories, et quand tu arriveras au stade du Pessah, c'est-à-dire d'arriver à... Quand tu fais la chose, que ce soit un croc, un mishpat, un yedout, quand tu fais la chose... C'est une fin en soi, mais sache que c'est quand même différentes sortes de choses. Même si c'est une fin en soi. Quand tu as fait un choc, tu dis « Ah, je suis content, j'ai fait sans comprendre. » Quand tu fais un mishpat, tu dois dire « Je suis content, j'ai compris. » Tu dois servir Dieu en fonction de ce qu'on te demande. Et ne pas te dire tout le temps « Le top, c'est de ne pas comprendre. » Non, le top, c'est de ne pas comprendre quand on te dit de ne pas comprendre. Mais quand on te dit de comprendre, tu dois comprendre. Pas dire sans arrêt, « Ah, moi je comprends pas. » Tu te flattes de pas comprendre. Pas vrai ? On voit beaucoup dans Pessah, ces trucs-là. Oui. Les gens ils font des trucs qui n'ont aucun sens. Vous dites, « Ah, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de chassid choté à Pessah. Il n'y a pas de chassid choté, on peut faire n'importe quoi à Pessah. » C'est pas vrai. Ben ouais, il faut que tu fasses quelque chose qui mange pas de pain, comme on dit. C'est bien de le dire. Si tu veux faire une chumra, il faut qu'elle mange pas de pain. C'est-à-dire que c'est une rigueur qui n'a que la rigueur. Mais pas que tu fasses une avéra en faisant la chose, tu fais une avéra. C'est-à-dire, on explique mal ou comme ça ? Je l'ai dit l'autre fois, quand les gens ils achètent du vin sans bisulfite, tu crois avoir fait une chose magnifique, tu n'as pas rajouté quelque chose dans le vin. Tu as fait une très grosse avéra parce qu'il est probable que ton vin soit du vinaigre et que tu n'as fait ni la mitzvah des arbakosot, ni une bracha qui se justifiait puisque sur du vinaigre on ne fait pas de bracha. Donc qu'est-ce que tu as gagné ? D'accord ? Ah ouais. Ou alors quelqu'un, tu vas chez lui, tu dis, ah, moi je mange pas ça, vous mangez ça, moi je mange pas ça. Tu l'as vexé. Tu as fait plus de mal que. Invente un truc, dis, j'aime pas ça, ou ne va pas chez lui. Ou dis-lui, pas la peine de discuter, faisons chacun ce qu'on veut. Mais ne lui dis pas, ah, vous mangez ça, moi je mange pas ça. Tu peux arriver à faire plus grave que ce que tu as voulu faire. Tu vas vexer des invités, tu vas vexer tes enfants, tu vas vexer tes parents, tu vas vexer tes amis, D'accord ? Ou alors tu sors de la fête encore plus orgueilleux que tu n'y rentrais. Moi, je ne mange pas ça. Je suis
suis un grand serviteur de Dieu, puisque moi, je ne mange pas ça. Toi, tu en manges, parce que tu es un moujik, mais moi, je n'en mange pas. Tu es sorti plus orgueilleux de la fête, alors que tout le but du Hametz, c'est justement d'être humble, d'enlever le Hametz pour enlever l'orgueil en soi. Et tu sors de la fête encore plus orgueilleux que quand tu n'y es rentré. Donc c'est pour ça qu'on te dit doucement, ne dis pas, il n'y a rien à comprendre, tout est bien. Non, il y a 98% de choses à comprendre et deux qu'on ne peut pas comprendre. Chaque fois, ne me répond pas, ils ne vont pas comprendre. D'accord. Quand je ne dois pas comprendre, c'est quand je suis arrivé à une extrême, mais pas au début. Donc ce qu'on te dit, c'est ce que le Chacham, on doit lui expliquer, qu'on ne doit pas... La mitzvah elle-même, c'est la fikoman, c'est le goût. D'accord. On ne doit pas rajouter du dessert à ça, ça veut dire que ça doit être fin en soi. D'accord. Mais sache qu'il y a quand même une différenciation dans les mitzvot. Ne viens pas raconter que tout est pareil, tout n'est pas pareil. Donc le Chacham, il a besoin d'être à la table du sévère, parce que lui aussi, il apprend plein de trucs. Il sort plus Chacham encore. Hein? C'est pas que le Chacham, on lui dit, ah, toi tu es Chacham, on peut rien t'apprendre à toi. Toi, tu es déjà au top, on peut plus rien t'apprendre. Bien sûr que tu dois lui apprendre. Le père doit lui apprendre. Et si une personne veut faire des chromorotes et qu'il veut faire pas tu peux faire des chromorotes à condition, comme on dit, que ça ne mange pas de pain, que ça ne fasse pas une avéra de l'autre côté. Ouais. Ben oui. Que tu n'arrives pas à faire... Que tu fasses une chromora d'elle-même, Bakasha. Mais que les conséquences d'être chromora soient des fois un truc plus grave que la chromora, c'est pas bien. Quand ma grand-mère ne voulait pas manger dans des assiettes colorées parce qu'ils croyaient qu'il y avait du Hametz dans la peinture, alors ils achetaient des assiettes blanches, ça n'embêtait personne, ça. Il n'y avait pas un revers de la médaille qui faisait que... Tu vois, c'était une chumra, même ridicule, parce qu'après ils se sont rendus compte qu'effectivement, même la peinture, c'est plus de la peinture, c'est du chimique, etc. Mais, donc c'est une chumra idiote, tu as le droit de la faire, tu veux la continuer à la faire, continue à la faire. Parce qu'elle ne mange pas de pain, elle ne fait pas de dégâts ailleurs. Tu comprends? Alors qu'il y a des problèmes, bon, je vois des tas de problèmes de shlombaït, des gens qui se disputent avec leur femme à cause de Pessah. Attends, c'est une fête de la liberté ou une fête de la guerre? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Le mari ne connaît pas de la Torah, la femme ne connaît pas la Torah, ils se disputent sur des halakhot de Pessah. Mais vous ne pouvez pas vous disputer sur des trucs que vous ne connaissez même pas. D'accord? Alors trouvez un terrain d'entente puisque vous êtes tous les deux des ignares. D'accord? Il y avait un jour un très grand rave. Alors, vous savez que les femmes, elles en font toujours trop à Pessah. Un très grand rave, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, c'est permis. Alors il dit, je ne savais pas que j'avais épousé un apicoros. Alors que lui, il connaissait la halakha, elle, non. Mais elle a décrété que son mari qui était trop léger, quoi. Alors qu'il connaissait. Mais donc il a laissé quand même faire sa femme. Bien que c'était lui qui avait raison, il a pas. Il a dit, possède, elle veut en faire plus. Mais va cacha. Ça lui fait plaisir. D'accord? Mais de là à se disputer sur des trucs d'Alakha, mais qui tu es, toi? Tu es Rabbi Yosef Karo pour défendre ton livre? C'est pas toi qui as écrit l'Alakha, donc qu'est-ce que tu te bats avec l'autre sur la même chose? Tu comprends? Trouver un terrain d'entente, mais pas de terrain. Donc tu vois bien qu'il peut y avoir des choses, soi-disant, de respect de la Torah, qui arrive à des choses plus graves que ce qu'on a voulu faire. Bon. Tu as disputé avec tes enfants, tu as disputé avec tes amis, le bon Dieu il a demandé de faire la fête dans ces conditions-là. Sûrement pas. D'accord? Bekitsur. D'ailleurs, vous voyez que, comme j'ai dit l'autre fois,
le Pessah, ça ressemble à Kippour. Vous vous rappelez, on a comparé les deux, ce qu'on dit sur Avraham Avinu dans le Seder Avodah, ce qu'on dit dans Avraham Avinu ici. Qu'on parle l'un avec l'autre. Et ben, la même chose dans le Al-Khet qu'on dit à Kippour, on dit pour la faute que nous avons commise de la précipitation. Les fautes de la précipitation. D'accord ? Et ben, à Erev Pessah, tu vois que la plupart des gens, ils tombent dans ce piège, quoi. La précipitation. Quand ils sont très pressés, ils ont peur d'arriver au CDR avec du Khametz dans la maison, alors ils se disputent dans la famille, ils se disputent dans les magasins, ils tombent dans tous les sens. D'accord ? Ils tombent dans tous les sens. Et comme on dit, résultat des courses, ils auraient pu aller au chiot, ils auraient pu prendre leur temps, vivre leur vie tranquillement, et pas dire « Ah, il y a Pessah, c'est la folie !» Vous voyez, les gens, ils sont dans les magasins, « Ah, ils vont se disputer parce qu'ils n'ont pas la mayonnaise qu'ils voulaient ou la matzah, c'est le prix qu'ils voulaient. » Ils perdent leur calme, alors que dans le Al-Khet, tu vas à Kippour, tu vas dire « Ah, j'ai fauté par précipitation. » Là, j'ai insulté la personne. « Ah, vous m'avez doublé dans la caisse. » Tu dis au marchand « Ah, vous n'avez pas la viande que je voulais. » Tout ça vient d'un truc complètement en dehors de la fête de Pessah. C'est des Averok, lui et Tserara, alors que tu devrais au contraire, comme dans la Matzah, tu l'empêches de devenir, d'être précipité, ouais. Tu la calmes, tu calmes le jeu avec la matzah. Toi aussi, tu dois être une matzah avant le soir du CDR. Tu dois être calme. Il n'y a rien qui presse. Une personne qui propose, je sais pas moi, parce que la personne n'apprend pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut pas montrer que... Ben, vous lui dites, il écrit dans la Yom Yom, que à Pessah on pose sur la table mais qu'on demande pas. Comme ça tu n'as pas d'histoire. Tu commences pas à dire oui mais ça c'est Kitniot, ça c'est Patrick, ça c'est rien. Hein. Tu poses sur la table, celui qui veut, il mange, celui qui veut pas, il mange pas. Pose pas de questions. Bon, en plus quand on est invité, a priori. Si on est invité dans une famille qui fait attention, on ne pose pas de questions. C'est comme ça que ça doit être, quand on est un bon juif. Sinon, ne viens pas. Comment ? Si tu commences à dire « Pourquoi vous avez ça ? Pourquoi vous avez ça ?» Tu fais une plus grande avéra que si tu étais resté seul chez toi pour la fête. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas aller au Guéhinnom parce que tu as mangé un truc qui peut-être que ça... C'est plus grave de provoquer une discussion à table que si tu l'avais mangé ou que tu l'avais pas mangé. D'accord ? Stop ! Il faut être... comme j'ai dit autrefois, il ne faut pas mélanger l'essentiel et l'accessoire. Faire souple. Comme je dis l'autre fois, et je le signe, je suis persuadé qu'en enfer, il y a plus de gens qui ont fait des chomrot à Pessah que des gens qui ont été moins regardants. Parce que les gens quoi ? Qui étaient moins regardants, parce qu'il arrive très souvent que les complications relationnelles que ça provoque sont plus graves. Et que les gens, ils ont des comptes à rendre là-dessus. Alors que si tu as mangé du maïs, ce que je sais, moi, un truc que tu voulais pas. Tu sais, merde, tu vois toujours un gadol dans le Gan Eden qui viendra te défendre. Mais quoi ? Il a mangé du maïs ? Eh bien alors, c'est Kitniot ? Eh bien voilà. Bam, bam, allez, venez. Oui, il avait le droit, c'était Kitniot. Il n'y a pas de ramets. Vous avez compris ? Je n'ai pas été de l'autre côté pour vérifier. Je ne suis pas pressé d'aller voir.
Mais je vous le signe et vous l'affirme. Donc il te dit, le raham, il est à table, mais il a quand même quelque chose à apprendre. Il est encore plus raham quand il va sortir. Maintenant, le rachat, Mao Omer, le rachat aussi, il vient et il a une drôle de argumentation. Qu'est-ce qu'il dit, le rachat ? Ma'avoda zot lachem. C'est quoi ce travail ? C'est quoi ce travail pour vous ? Ma'avoda zot lachem. C'est quoi ce travail pour vous ? Ce service. Alors, on explique que monsieur le rachat, pourquoi il est rachat ? Pas parce qu'il n'a pas dit mazot. C'est quoi ? Il dit, c'est quoi le travail pour vous ? Ça veut dire que le rachat, il a un problème. Il voudrait avoir les choses dans la vie sans travail. C'est ça qui le dérange. Que la Torah vient te dire, si on ne fait pas un effort, on ne peut pas avoir de résultat. Qu'est-ce que c'est un rachat ? C'est quelqu'un qui voudrait avoir un résultat sans avoir payé le prix de la chose. C'est pour ça que c'est sur le mot avoda qu'il est rachat, pas sur le mot lachem. C'est qu'il conteste le principe que pour faire quelque chose, pour réussir quelque chose dans ce monde-là, il faut se fatiguer. Petite fatigue, grande fatigue. Mais rien sans fatigue. Tout ce qui est sans fatigue, c'est pas cachère. Il y a quelque chose qui ne va pas dedans. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on lui répond. Lachem, lui, pense que vous fatiguez, alors qu'on pourrait avoir les choses sans se fatiguer. Alors il dit Lachem, mais Lolo. Lui, non. Lui, il dit, moi, j'ai rien à voir là-dedans, moi. Moi, je veux bien faire la Torah, les mitzvot, tout, mais je veux pas de fatigue. Ou le fils, aussi, est à ce moment-là, puisqu'il s'est sorti de l'ensemble des gens. Kafar Baïka, il est un renégat. C'est un renégat. Donc, vous voyez un peu comment on pense. Il est renégat parce qu'il estime que l'effort est quelque chose qui n'est pas nécessaire dans la vie. C'est ça être un renégat. D'accord ? Ve'af ata, et donc toi aussi, ak'e et shinav. Agace-lui les dents, comme on dit. Ake et shinav. Agace-lui ses dents. C'est-à-dire. Énerve-le. D'accord ? Fais-le grogner. Vémorlo, et tu lui diras. Bavourze, c'est à cause de ça. Asa Hashem li betseti mitzraim. C'est avourze, c'est pour l'avoda que Dieu m'a sorti d'Égypte. Comme il dit Pharaon, qu'est-ce que tu leur donnes une avoda de recevoir la Torah et d'offrir des corbanotes? Laisse-les travailler comme des chiens, ils sont mieux comme ça. Donc c'est pas que Moïse il lui a dit ils veulent la liberté pour plus travailler. Non, ils doivent travailler, mais pas pour toi. Ça veut dire que tu vas être libre pour être esclave de Dieu. Et pas la liberté pour la liberté. Comme ils ont toujours cru, hein, Che Guevara et toutes les révolutions, on a toujours fait croire aux gens, vous allez être libre. Libre, ça veut dire ne plus avoir de joug. Alors, c'est pas vrai. Si tu n'as pas un joug sur la tête de choses qu'il faut, tu auras le joug de la... Encore pire, quoi. Le joug de la liberté, c'est encore pire. Parce que les gens ne savent pas utiliser la liberté. D'accord ? Les gens sont... L'être humain, il est fait pour être esclave. Seulement, il faut choisir son maître, c'est tout. Il faut un maître qui te donne un bon travail, pas
D'accord ? Donc il te dit, c'est pour ça que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Moi, il m'a fait sortir, mais Lolo, toi, il ne t'aurait pas fait sortir. Lui, non. Il y a Cham, parce que s'il avait été là-bas, ben, il aurait dit, moi, sortir pour aller offrir un corban et recevoir la Torah, ça ne m'intéresse pas. Donc il ne serait pas sorti. Il aurait dit, je préfère rester en esclavage. D'accord ? Donc, il ou Ayasham, s'il avait été là-bas, l'Oayan égal, il n'aurait pas été délivré. Puisqu'il n'a pas choisi l'esclavage de la Torah, il a préféré l'esclavage de Pharaon. Donc, il serait resté là-bas. D'accord ? Bon, maintenant, la chassidoute, vous la connaissez, elle dit, lui, s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été sorti, mais qu'aujourd'hui, puisque tout le monde doit sortir de l'exil, donc lui aussi sortira, même s'il se prétend rachat. Allez, ça commence. C'est la minuterie. C'est marrant, c'est tous les lundis en plus. Le lundi que ça se passe. Bravo. C'est le lundi. On l'a oublié, celle-là. J'espère que ça n'a pas cassé. On revient. Oh là là là. Voilà. Bon, j'arrive pas. Qu'est-ce que c'est que ce engin là? Il y a un petit morceau de plastique qui bouche la. Pom pom pom. C'est possible ça. J'arrive pas à trouver l'ouverture du truc bizarre. Ça a déjà été le reste aussi, non? Pardon? Bizarre. Ah, c'est la minuterie? Ouais, bah, tu viens de le dire. Vous voulez un stylo? Non, mais je sais pas comment ils font pour la soulever, en général. Avec un... Faut tirer, non? Ouais, mais on peut pas arriver, c'est trop. C'est trop fin. Trop petit, hein? On peut tirer comme ça, c'est comme ça. Avec un stylo? Pam, 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 pam. Stylo, mais comment ils font les autres jours? Ah, ben il a mal visé en plus. Oh là là, c'est bien ça. Oh là là, c'est plus facile. Il avait bien vissé, ben, il a mal vissé. Voilà. Vous avez vu comment ça marche? Ah, bah voilà, c'est ça. Il y a un couvert dessus. C'est pratique comme ça. Ah, il faut enlever la boîte. Attends, mais il a vissé, soi-disant. Il l'a mis là. Travail de jument. La boîte, elle va pas. Ah ouais. La boîte, elle est pas adaptée. Ouais, c'est pas le travail de. Travail d'arabe, quoi. Vous voyez ce que c'est dans le service? Bon, je ne raconte pas l'histoire. Le voisin. Il nous a demandé un service, tatata, il nous a dit, moi je change tout le tableau, ça ne fait que des problèmes. Ouais. Moralité, quand tu auras un service, attends-toi. Ah oui, comme on dit chez nous, non, un service pour lui, il avait besoin du service, il nous a dit, en échange, je vous change tout. On a dit, bon, d'accord. Comme on dit chez nous, un bienfait ne reste jamais impuni. La prochaine fois, on lui dira, entre en pas service et tu nous laisses tranquille. Tu nous laisses tranquille, ouais, exactement. Donc, Bekitsu, le rachat en question,
Donc, rappelez-vous de ce message très rachouf, c'est que le rachat, c'est pas quelqu'un qui est méchant fondamentalement, c'est quelqu'un qui est prêt dans la vie à tout, mais à condition que ça ne demande pas d'effort. C'est-à-dire qu'il préfère passer par la sorcellerie, par la malhonnêteté, par le jeu, par le tourner autour, tant que ça ne demande pas un effort. C'est un gros problème, parce que au niveau chinouchi, d'accord, au niveau de l'éducation, ben ça, c'est un très gros problème aujourd'hui. Parce que les gens ils vous disent, si ça fatigue, je n'ai pas envie. Quoi. Tout ce qui fatigue ne donne pas envie. C'est un problème. D'accord. Parce que tu voudrais avoir, mais tu ne veux pas payer le prix pour avoir. D'où l'argent facile, d'où le... Vous comprenez ? Un très très gros handicap de l'éducation. Voilà. Qu'est-ce qui reste ? Le tam, Mahomer. Alors le tam, on l'a dit, lui, il est simple. On peut dire tam, simple ou alors intègre. Il est parfait, quoi. Il est mimout. D'accord ? Il dit Mazot. Lui, carrément, il a pas une vision précise comme le Racham, ni comme le Racha. Il ne sait pas du tout de quoi il s'agit, Mazot. De quoi il s'agit ? Martha est là, tu dois lui répondre. Bechozek Yad, Otsianum Hashem Mimsraim Metavadim. Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main forte. Ça veut dire que le Tam, lui, il penserait que. Une explication dit, comme il est tam, alors il pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. D'accord ? Et que, comme il y en a plein qui pensent comme ça, que il faut toujours être gentil, toujours être arrondir les angles, toujours de bonne humeur, il dit non, mais Chozek Yad, la main forte, Dieu nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire que il faut dans la vie prendre des décisions de couper. Avec une situation particulière. Bechozekat, c'est-à-dire que Dieu n'a pas fait sortir l'Égypte sur du velours. Ça s'est passé violemment. Ça s'est passé violemment. Ça veut dire qu'il y a des situations où il faut se faire violence à soi ou aux autres. Pas une situation de. Quand on dit tam, les gens ils disent tam, ça veut dire qu'il est gentil. Jamais il crie, jamais il rouspète, jamais il grogne. On te dit le tam, il doit savoir que c'est pas vrai. Le vrai tam, c'est quelqu'un qui sait que il faut utiliser la force quelquefois. Comme on voit avec Yaakov Avinu. Il s'appelle tam, et pourtant, il s'est pas gêné de toute sa vie de savoir agir. Il n'a pas agi comme un homme simple. Vous C'est pour ça que il faut être politicien, quoi. Politicien dans le Kodesh, mais politicien quand même. D'accord ? Donc si quelqu'un, il n'est pas invité dans un mariage, ne vient pas lui dire, d'accord, à quelle heure tu vas au mariage ? Pour lui faire de la peine, pour lui dire, pour qu'il dise, ah, moi j'ai pas reçu d'invitation, je sais pas, on m'a pas invité à moi. Ne dis pas. Soit tam, ça veut dire soit intelligent. Soit rusé, justement. Un tam, c'est quelqu'un qui, quand il va faire des choses, il ne va pas les faire bit-mimout, comme on dit en hébreu moderne, naïvement. Il va les faire en réfléchissant bien à ce qu'est une t'mimout, c'est-à-dire qu'il y a une perfection, qui va dire une chose sans vexer la personne, et sans avoir besoin de mentir. Donc être tam, c'est une très très grosse responsabilité. De dire une chose sans vexer, et de ne pas se taire non plus. Diplomate alors. Ouais. Plus que diplomate, c'est rusé. Il faut être rusé. Un tam, c'est quelqu'un qui en fait, qui pense à tout.
conséquence de tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Maintenant, le dernier, mais Géno Yadalichol, lui, comme il ne s'est pas posé de questions, on te répond at. At, c'est au féminin. At petachlo. Toi, tu dois parler, puisque lui ne sait pas parler. Et on dit au féminin, comme il dit la Barachi, que ça doit te fatiguer, que tu dois être fatigué comme une femme. Tu t'es épuisé comme une femme d'avoir essayé de parler avec lui. C'est ça le Sheino Yodirishon. Comme il n'a aucune question, aucune réaction, aucun intérêt, donc hâte, tu dois devenir une femme vis-à-vis de lui. Tu dois te... C'est-à-dire qu'un homme c'est fort, une femme c'est faible, entre guillemets, d'accord ? Donc tu dois devenir une femme, c'est-à-dire que tu dois épuiser toutes tes forces pour le réveiller. Et ne dis pas, bon ça sert à rien, puisque chez Eno Yodalichol, qu'est-ce que je vais me fatiguer à le réveiller ? Je dis non, fatigue-toi à le réveiller, puisqu'il y a écrit, Veigata levincha bayom ahou les morts. Ça veut dire que d'après ça, la mitzvah de Agada, elle est pour lui plus que pour les autres, puisque les autres on l'aura pas cité, c'est pas sous plein. Tu raconteras à ton fils. Ça veut dire que la mitzvah de Agada, elle est essentiellement pour les gens qui ne sont pas intéressés. Tu dois vendre une marchandise à des gens qui ne veulent pas l'acheter. C'est un businessman plus fort que quelqu'un qui vend une marchandise que tout le monde veut acheter. D'accord ? Il te dit « Bavorze, Asa Hashem Lim, et Tzedim Yisraim » et donc tu dois lui raconter toute l'histoire. Et tu dois t'efforcer de l'intéresser. Et donc, c'est tout le contraire de bon, ce que disaient les gens avant. Ouais, si quelqu'un s'intéresse, oui, s'il ne s'intéresse pas, je ne vais pas me casser la tête pour lui. Alors, on te dit non. Tu dois considérer, s'il est dans la catégorie de Sheinon Yodalichol, déjà, il s'est dérangé pour venir au CDR, parce qu'il aurait pu ne pas venir du tout. Comme il est venu au CDR pour manger, ou pour ce que je sais, moi, pour parce qu'il fait chaud et dehors il fait froid, ne dis pas, ça suffit comme ça. Tu dois te fatiguer à lui enseigner quelque chose. Pour que l'année prochaine, il ne soit plus dans la catégorie de chez Eno Yodalichol. Et pour terminer, nous expliquerons ce que dit un des commentateurs qui dit que ça marche par génération. Et la génération qui connaît s'appelle Chacham. La génération qui vient d'après, les enfants qui y viennent, c'est Racha. Ils contestent. Le père, il dit blanc, alors le fils, il va dire noir. D'accord ? On voit très souvent que la génération qui vient après, elle va dire le contraire de ce que la génération d'avant avait appris. Donc, dans une génération Chacham, génération d'après, c'est une génération rachat. D'accord ? Maintenant, le troisième, c'est le petit-fils. Lui, quand il va chez le grand-père, il y a la Torah. Quand il va chez le père, il n'y a plus rien. Donc il ne sait plus où il est. Lui, il en est. Donc il est tam. Il est religieux chez le grand-père et athée chez le père. D'accord ? Et donc lui, comme il connaît pas la vérité, il ne sait plus où est la vérité, puisque c'est mon grand-père qui détient la vérité ou mon père. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à ses enfants ? C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque aussi. C'est mensonge. Non, on n'enseigne pas aux enfants. Quand ils seront grands, ils choisiront. C'est-à-dire que les enfants qui vont venir après, ils vont chez nous, ils vont être des générations qui ne seront même pas questionnées, parce qu'ils ne sauront même pas qu'il y avait une question à poser. Parce que chez le père, ils l'ont pas vu, parce que le père était déboussolé. Donc le père a dit, quand ils seront grands, ils choisiront. Pour l'instant, moi, je ne me mêle pas. Et donc après, puisqu'il n'y a que quatre fils, après ça, il y a on revient, il y a un retour, et après on redevient un dor de Chacham. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le dor de... Et après, il est redevenu Chacham, il a retrouvé les ports de la connaissance comme nous. Voilà. Je vous remercie
de votre attention. Et la semaine prochaine, à cette heure-ci, nous serons avec le Mashiach à la table du CDR. Voilà. Pardon ? Pourquoi pas ? S'il y avait mieux à faire, ben on serait pas con, mais je suis pas sûr qu'il y ait mieux à faire.